Salut à tous, êtes-vous le Garde Fou, reprise de jeu de machine à sous, direction Miss Bombast, le Bombs Away. Alors 12-510, sacré coup de bol sur le précédent jeu. Alors on va commencer avec des mises à 35. Alors les Bombast Joker, c'est ce qui est intéressant sur ce jeu, ça peut éventuellement ramener des fois des jolis wins, mais bien sûr. Ne pas oublier que c'est une machine à sous de casino, donc sur le long terme, le seul gagnant c'est le casino. Enfin, sur une grande masse de joueurs, il y a quelques gagnants, mais la plupart, il y a bien sûr plus de perdants que de gagnants. Enfin, je préfère le préciser, car si cette machine à sous paye du lourd, c'est pas pour ça qu'elle va payer tout le temps. Allez, petite série de spins perdant, on va tenter. 62,50 la mise. Alors franchement, la précédente partie remontait miraculeuse. Alors le troisième, ça m'étonnerait. Ça sentait le leurre. 5 wild, 0 win. Eh ben, on n'a pas eu la troisième mise bombasse. Elle est pas très colorée cette machine à sous, beaucoup de verre militaire, mais bon, elle a son charme, c'est pas mal. J'aime bien le système de joker explosif expansif, hein, quand, bien sûr quand ça paye. Alors quand ça paye, c'est pas tout le temps le cas. Alors, rouleau 4, mise bombasse. Non, rouleau 5, non plus. Petit win. Allez, petite montante. Un spin ultime. Ah ben ça aurait été pas mal les free games sur un spin ultime à 125. De toute façon, d'une machine à sous à une autre, c'est toujours la même histoire. Le joueur est à la merci du joker du générateur de symboles aléatoires. Soit il balance les jokers explosifs ou les scatters, ou soit que dalle. Eh ben, free game. Allez, go. Alors, j'espère qu'il va me raquer de la bombasse. Super wild. Allez, largage, boum. Ok, il aurait pu faire mieux. Alors, pas de wild ici. Voilà, un petit bombardement. Ah, bah là, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux, même 518, on monte à 918 de win. On a dépassé le x10, on va dépasser le x20. Allez, par là, par là. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, 6 free games restantes. Malheureusement, le bombardier, il n'est pas là à toutes les parties. Dommage. Alors, si on a le bombardier en plus des wilds. Déjà disposé sur le jeu, c'est pas mal. Eh ben, on a largement dépassé le x20, même le x30. Allez, encore un petit largage de bombasse, de free game de restante. Eh ben, 1862, 12790. J'avais commencé, c'était 12510, donc petit bénéf. Petit bénéf qui j'imagine va très vite se faire rebouffer.
Et voilà, bénéfice y a plus. Donc comme très souvent avec les machines à sous, ça perd, les parties bonus sortent, ça rembourse à peine le win avec un petit bénéfice, ça rebouffe le win. Et ça repart dans la lose. Encore que là j'étais chanceux de gagner les parties bonus quasiment en début de partie. Bon après les bombas, ça file des jokers aléatoires, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 jokers, ça dépend. Ça paye plus, petite montante. Voilà, spin ultime, rien du tout. Ah bah les séries de spin perdant, c'est pas mal, on augmente les mises, tiens, bah après elle est gagnante normalement, mais des fois on est encore en plein dedans la série de spin perdant. 12,50 de récupérer, d'accord. Vous avez gagné un diviseur par 10 par rapport à votre mise. C'est pas mal. Ouais. Et non. Oh les boules 1, 2, 3, 4, 5 jokers, ils sont mal placés. Dommage, dommage, dommage. C'est déjà rare que la bombasse elle balance 5 jokers donc. Après, je sais pas comment il est programmé ce jeu, mais le programmeur il peut filer sur les bombasses de joker explosifs. Plus elles sont vers le rouleau 4, rouleau 5, plus elles donnent de joker. Et inverse, sur le rouleau 1 et 2, elles en filent moins. Enfin, c'est toujours une probabilité de programmation. Bon, et là-dessus, bien sûr, à ce niveau-là, les programmeurs de machines à sous sont quand même assez malins. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Ouais, sinon les mises à 125 c'est bien beau, mais. Alors, comme par hasard, quand elle est par là, elle balance 5 wild et ici, elle n'en balance que 2. Bon, j'avais commencé à 12 500 balles, pratiquement pas loin de 3000 balles de paire, donc même si les free games sortent. C'est pas garanti que ça repaye 3000. Alors rien. Voilà, 4 watts d'ici. Si Wild, pas mal, pas mal. Ouais, malgré ça, on a plus de 3000 balles de perte depuis le début de la partie.
Oh, il est passé sous nos yeux dans tes rêves, le troisième skater. Alors tant mieux, petite remontée, 662. On est quand même assez loin des 12,5 de la balance de départ, donc là à mon avis cette partie va se terminer en lose. Ouais, pourtant, début de partie, les free games sont sortis. Petit bénéf de pas grand chose, 200 balles, mais c'était toujours ça. Et ouais, donc, on est passé de 200 balles de win à 4000, quasiment 4000 balles de perte. Alors, Bombas, deux petits wilds. On aurait préféré 5 ou 6. Bon, bah 8 500, 12 500 au départ, 4 000 balles débouffées par ce jeu. Ouais, 5 wild, 0 in. Le troisième, il est 1, 2, 3, 4, oula, 7 wild sans déconner. Bon, 7 wild, ça dit pas forcément gros big win. Alors, 1162. Ben, remonte à 9 100. Bombas, 3 wild, 337. Bon, si on peut repasser en dessus de la barre des 10 000, ce serait déjà ça, mais ça, bien sûr, c'est pas garanti. Oula.
9007. Basse de voilà, Miss Silicone ne veut pas se remanifester en trois exemplaires. De toute façon, là, c'est du silicone des années 14-18, donc c'est les vieilles versions, les premières versions. Allez, le troisième dans tes rêves. Et ben, sans déconner, les trois scatters gagnés en début de partie, mais par la suite, on a beau jouer pendant une plombe, pas moyen. Oula, deux bombasses. Big win 2, 1006. On repasse au-dessus de la barre des 10 000. Mais bon, pas de bénéfice. Tu te rappelles, j'avais commencé à 12 005, donc moins 2 005 depuis le début de la partie. Enfin, on est passé de moins 4 000 à moins 2 005, donc c'est toujours ça. Alors, le troisième. Chiotte, il est pas là. Bon ben les trois scatters, peut-être un jour, mais j'ai l'impression que ça va être plutôt peut-être jamais. Ouais, de toute façon la Miss 14-18, maintenant le temps est passé, donc maintenant c'est la grand-mère en string léopard, alors le wild. 368. Si les 3 scatters ressortent, après ça, ça va être parti direct. Alors, ou le 3, ou le 4, ou le 5. Et ben voilà, hop, après ça, on se casse. J'espère que ça va rater, que le bombardier va balancer du wild à foison. C'est pas gagné. Alors, spin numéro 2. Pas de bombardier, pas de wild. Qu'est-ce qu'il nous fait sans déconner? Pas de bombardier, pas de wild. Win cacahuète de chez cacahuète. Voilà, les boules roulant un rouleau de rien, d'identique. Allô, le bombardier, au secours. Support à rien demandé, support à rien. Allô, allô, support à rien. Eh ben il est là, support à rien. Allez, vise bien. Oula. Ah, dommage, il n'y avait pas beaucoup de vent, mais pas beaucoup de wild à la clé. Dommage. Alors, support aérien ou pas? Eh ben non, 12,50. Cacahuète, 725. Là, c'est pas la même.
Ouais, bah du coup, arrête partie direct, on verra pour les prochaines, mais là quand même, on n'est pas au top. 9541, ouais, franchement, là, les free games, pas énorme. Allez, close, on verra pour les prochaines.